Wow, bonjour à tous, c'est Mister Gecko. Et comme vous le saviez, enfin si vous avez regardé la dernière vidéo en tout cas, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Shadow of the Tomb Raider. Et on en était ici dans cette course effrénée. Oula, contre ces créatures un peu étranges qui protégeaient la boîte d'Ixchel qui a disparu. Et il fallait s'échapper le plus rapidement possible. Et je crois qu'on a donc... Ah non, j'allais dire réussi, mais non. Ah si, ça y est, j'ai l'impression qu'on est enfin sorti de là. Et qu'on va être un peu tranquille. Ouh, voilà. Donc c'est un début de vidéo, encore une fois, qui commence bien. Ah, allez, on va être un peu plus serein. Et on va avancer. Et donc il faut retourner à Paititi. Là j'ai plus d'air. Hein. Ah, de l'air. Voilà. On se retrouve dans la cité perdue. De nouveau. Bon. Voilà. J'ai réussi. Ouais, enfin faut encore se barrer de là. On n'a rien réussi du tout. J'ai pas assez de place pour ça. On est juste sorti de la flotte quoi. Oh. Des ressources. Qui étaient bien cachées. Il faut remonter tout là-haut. Là, on dirait qu'on peut aller là-bas. Ah, là, on peut escalader. Hop là. Allez, bah monte. Hop là. Là. On va à gauche et il va falloir aller là-bas. Oui, il faut faire un saut là. Hop là. Pareil, là, on va sauter là-bas. Oh, bah nickel. Parfait, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est des canettes et des bouteilles d'eau, hein. On est d'accord. J'ai bien vu. Hein. De toute façon, c'est là-bas qu'il faut aller. Ça se trouve, c'est là que le village du dessus balance ses déchets, tu sais. Ah non, on dirait qu'il y a un clodo. Ah, c'est pas un clodo. Il s'est fait écraser. Je peux m'en servir pour grimper hors d'ici. Ah, cool! On va récupérer ses crampons. Désolé mon gars. Tu t'es pété la gueule. Nouvel équipement acquis. Ouais, très bien. On peut pas aller fouiller, hein. Ouais, il y a rien. Paquet de chips. Le pauvre. Ouais, ok. Et du coup, ça fait quoi ça? Ouais. Ok. Hop là. Et ça change quoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc? J'ai pas compris. Ah là! On peut monter là-haut, appuyer sur E. Sauter, appuyer sur E. Ah ouais, d'accord. Ah, elle est balèze quand même. Hein. Avec les crampons, on peut faire ça. Wouah! Chaud! Ok, et donc là, on vient là. Appuyez sur Z pour qu'il y ait... Ok, on saute. Ok. Ouh. Très bien. Voilà. On peut pas la détruire celle-là. Ah, je les ai pas toutes détruites tout à l'heure. Dommage. Bon, on est arrivé tout là-haut, mais on sait qu'ils sont aussi ici.
les créatures bizarres. Tiens, ça me dit quelque chose si. C'est par là qu'on est arrivé, non? Ok, donc là on monte, on saute un peu. Voilà. Alors les balèzes pour planter sont piolées comme ça, quand même. Hein. Je peux pas dire, hein, mais. Elles gèrent. C'est assez ouf. Ouais, c'est assez ouf. Ok. Bon. En tout cas, on va y arriver. Merci, monsieur l'aventurier, d'avoir oublié des... Enfin, d'être mort, en fait, finalement. Et que j'ai pu récupérer tes crampons. Voilà. Ok. Alors, on peut aussi descendre en rappel, comme ça. Wouhou ! Oula. J'ai failli tomber. Oui. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ok, donc là j'ai tout ce qu'il faut. Ah non, c'était peut-être pas là qu'on était arrivé, il me semblait, moi, mais. Non. Apparemment non. Bah, allez, vas-y, on saute. Quoi ? Bon. Eh ben c'était pas là. Enfin en tout cas fallait pas sauter comme ça. Allez. Mais du coup on n'a pas récupéré la boîte d'Ichel. Du coup qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ouais, il va falloir remonter. Ok. C'est pas chaud du tout ça. Elle y va serein. Je vais devoir sauter. J'ai pas le choix. Lancer le piolet grappin. Assez raté, hein. Ah ouais, c'est bien raté, hein. Ah là là. Oh non, on va se retaper tout ça. Putain. Zut. Je vais devoir vous infliger tout ça. Encore une fois. Mais du coup j'ai pas compris hein. J'ai pas du tout compris du coup où c'est qu'il faut aller. C'est bien là-bas, forcément. Je vais devoir sauter. Lancer le piolet avec eux tout en sautant pour atteindre la paroi aux choses éloignées. Ok, donc là je saute et j'appuie sur eux. Non. Quelque chose m'échappe là. Quelque chose m'échappe. Je fais bien ça pourtant. J'ai jeté le grappin, j'ai sauté. En même temps. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je ne sais pas. Relire encore une fois des fois que j'ai mal lu. Je vois pas ce que je peux avoir mal lu. Je vais devoir sauter, j'ai pas le choix. Lancer le piolet grappin avec eux tout en sautant des parois rocheuses éloignées. Alors là j'ai pas compris, hein. Ça fait 3 fois que j'essaye, 3 fois que je rate. Et pourquoi?
Pourquoi ça veut pas? Hmm? Pourtant je fais ce qu'ils me disent. Bordel. Hmm? Ok. Donc là on monte. Oh, j'espère que je vais y arriver cette fois. Non! Je m'agourais de boutons. Putain, j'ai appuyé trop tôt. J'étais pas encore en haut du truc. Oh là là. Bon. Si seulement il y avait un checkpoint, genre juste devant le saut chiant à faire. Non, non. Allez, on monte. Hop. Hop là. Je vais devoir sauter. J'ai pas le choix. Lancez le pieu, les gars. Je saute. Mais. Je ne comprends pas. Pourquoi ça ne veut pas? Putain. J'en ai marre. Bordel. Bordel. Pourquoi ça ne veut pas? Je vais m'expliquer ce que je fais de mal. J'appuie peut-être sur E trop tôt. On va essayer d'attendre un peu. Appuyer sur E un peu plus tard dans le saut. J'ai un peu peur que je vais faire trop tard. J'ai pas le choix. Ah oui. D'accord, fallait juste le faire plus tôt. Plus tard, pardon. Ok. Ok, je le saurai la prochaine fois. Checkpoint là. Hein? Checkpoint là. Que j'ai pas à refaire tout ça. Allez, on retourne dans des grottes. Fantastique. On n'a pas eu assez des grottes. Ouais, ça pue le méchant, ça. Hein. Ça pue le gros mec dégueulasse. Hein. Non, même pas. Même pas. Allez. Eh ben, on plonge pour la peine. Hop. Allez, on va là-bas. Tou-dou-dou-dou. Allez, il faut aller vite. Hop, allez, on nage au travers, vite. Parce que sinon, on va plus avoir d'air. De l'air, s'il vous plaît. Ah, là, on revient. On est déjà venu ici, non? Là-bas, il y a de l'air. Allez, nage. Ouf, ouais, là, on est déjà venu ici, je crois. Ça me dit quelque chose, cette zone-là. Ouais, on est déjà venu ici. J'aurais peut-être dû prendre ma respiration un peu plus. Un peu juste avant d'atteindre ça, peut-être. Oh, remarque, ça va le faire. Je crois que j'ai une compétence maintenant que j'ai pris qui me permet de nager à très suffisamment dans solo. Ah, bah voilà, on est revenu à la ville directement. Fantastique. Qu'est-ce qu'on fait? On pose nos armes? Pourquoi? Mais... Retourner à la maison de Donorato. Ça sent le truc caché derrière la cascade. Allez! Non, même pas. Même pas. C'est tellement trop un classique des jeux vidéo, le truc caché derrière la cascade. Regardez-moi ça, tiens. C'est étonnant.
Remonter plus que ça? Ah si. Ah si, bah voilà. Ok. Ok. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Mais quoi? On le saura sûrement jamais parce que je vais pas rester 10 ans pour trouver. Ok, ça a pas jeté mon grappin, j'ai cru voir des trucs, mais non. Bon, c'est pas grave, allez, on se casse de là. Il est où, Norato? D'autre côté. Une stèle? Je peux pas t'aider, moi, non? Non. Tant pis. Allez, hop. Alors là, j'ai vu qu'il y avait un truc. On va peut-être aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Je peux te parler. Pourquoi je peux te un parler? Un conseil. N'allez pas dans la jungle, mon ami. Quelque chose de dangereux y rôde. Mm-hmm. Je ne dépasse jamais cette limite. Et même de loin, je fais toujours attention de ne pas tourner le dos aux arbres trop longtemps. D'accord. T'es un peu parano, toi, non? Alors, c'est quoi, ça? Père, oui. Père, viens vite! C'est la jeune fille! Vous voulez quoi? J'ai pas de temps à perdre avec la rébellion de Nouratu. Vous êtes Kabyle? Ushu m'envoie chercher la... La corne du roi? L'appel du futur? Pour tout le bien que le futur a fait pour mon présent, allez-vous-en! Le culte a découvert que mon père fabriquait la corne. Ils ont empoisonné nos récoltes pour le punir. Maman est tombée malade. Mon frère Kuali est allé chercher des plantes au marché, mais... Il n'est pas rentré. C'est horrible. Je vais essayer de retrouver ton frère et de vous apporter ces plantes. Merci. Ok. Eh ben, on va aller au marché. Est-ce qu'il peut y avoir des méchants là du coup? Non, qu'est-ce qui se passe? Abra a été empoisonné. Qu'est-ce qu'elle fait là? Excusez-moi. Ah, jeune fille, je peux vous aider? Je cherche Kuali, le fils de Kabyle. Ah. Ah, pauvre garçon. Shimali, l'un des bandits de Kukulkan, l'a enfermé dans une cellule au marché. Il attend que la prêtresse vienne le punir. Cool. Merci. Ils sont sympas ici. Bonne chance, jeune fille. Il y a des marchands là qui traînent. Tui. Ah, un marchand, très bien. On va te vendre des trucs, toi. Votre tête ne me dit rien. D'où vous sortez? Où vous avez trouvé cette tunique? On me l'a donnée. La reine Unuratu. Oh, vous êtes avec la reine? Je ne voulais pas. Je vous en prie, il faut me pardonner. Tout va bien, vous en faites pas. Que puis-je faire pour vous? Elle a l'air sympa, cette reine, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va vendre? Vendre. Acheter, amélioration du couteau. Bah, clairement, ouais. Oui. Les dieux nous sourient à tous les deux. Et augmente la capacité de transport de ressources naturelles fabriquées par l'homme. Oui. C'est pour vas-y. Vous. Vas-y. Sac à dos, capacité de transport des ressources naturelles. Oui. Cet échange est impossible. J'ai des enfants à nourrir. Oh, bon? Tiens, tu veux un peu de jade? Genre. Attends, mais. Genre 35 jade. Les dieux nous sourient à tous les deux. Et puis un peu d'or aussi, si tu veux. J'ai plein d'or. Je peux te vendre 40 d'or si tu veux. Parfait. Oh, les trucs que je... Oh, de la peau de capybara albinos. Je m'en bats les couilles de ça. De la peau de loup noir. Qu'est-ce que je fous de ces trucs, moi? Du venin. Vas-y, moi, je te vends tout, moi. Les dieux nous sourient à tous les deux. Ça, je te vends tout aussi. Parfait. Ça, je te vends tout. C'est pour vous. Ça. Pas tout parce que
Je vais peut-être en avoir besoin. Parfait. Des trucs qu'on trouve de partout. Les dieux nous sourient à tous les deux. Voilà. Des trucs pour vous. Que je suis tout au max de partout. Les dieux voilà. Nous sourient à tous les deux. Ça c'est quoi? De la graisse. Ouais, je vais garder ça. Allez, le reste je vais tout garder pour le moment. On va acheter ça encore. C'est pour vous. Ça c'est quoi? De la poudre noire, le reste on s'en fout. Hein. Le reste on s'en bat les reins. Hein. Ouais, le reste on s'en fout. Bon, j'ai 9000 pièces donc c'est largement suffisant. Allez, on s'en va. Du coup, faut aller où maintenant? Là-bas. Tiens, t'as fait tomber quelque chose. Merci. Oh, l'escroc. Qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est l'effervescence ici en ce moment. Les tanneurs, les bouchers, les tisserands, les teinturiers, même les enseignants. Tous les quartiers se préparent. Le marché va être animé. De grandes choses s'annoncent pour la ville et ses habitants. On doit tous faire ce qu'on peut pour aider Kukulkan à créer un nouveau monde. Mmh. Tu m'en diras tant. Alors, faut que j'aille là-bas. Bon, maintenant, on va tout ramasser ce qui traîne, comme ça on pourra tout vendre. Ah, tiens. Je peux le lire ou pas? Oui, ça me fait monter ma truc. Moi, j'ai pas envie de lire les trucs, hein, tant pis. Alors, c'est plutôt par là-bas qu'il faut aller, je pense. Hop. Clac. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi, là-bas? Vous savez de quoi on manque dans cette ville? D'amour. Avant, il flottait toujours dans l'air, comme le parfum des hibiscus. Mais l'amour s'est envolé quand Sairi, le mari d'Unuratu, est mort. Leur amour était contagieux. Ils ne se promenaient jamais sans se donner la main. Ils allaient ensemble au marché quand il faisait beau, comme aujourd'hui. Et le visage des marchands s'illuminait sur leur passage, même quelques secondes. Je n'avais jamais vu de personne s'aimer autant. J'espère que quand tous nos combats seront terminés, le parfum des hibiscus reviendra. C'était vraiment très intéressant. Alors... je ramasse tout ça. Et on arrive ici. Ah. Un voleur de plantes. Quel danger public. Aujourd'hui, il vole. Demain, il tuera quelqu'un. Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu? Vous voulez vraiment savoir ce que je pense? Je pense qu'on devrait rassembler tous ces rats et les noyer, qu'il n'en reste aucun. Et surtout Yumil, son père est garde-serpent, mais ce n'est pas son cas. Parler avec Yumil. Les voleurs doivent être punis. Allez, vise bien. Oh, tu l'as raté. Eh, hey, bonjour. Eh, hey, vous êtes la jeune fille étrangère, c'est ça? Oui, c'est un plaisir de vous rencontrer. Waouh, jolie. Moi, c'est Yamil. À quoi est-ce que vous jouez, les garçons? On joue pas. Mon père est prêtre chez les gardes-serpents. J'ai pris son couteau de cérémonie pour le montrer à mes amis, et le garde Shimali l'a vu. Shimali sait très bien ce que ferait mon père s'il apprenait que j'ai pris son couteau. Alors il l'a lancé là-haut, et il est coincé. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, vraiment? Merci. Le couteau. Super dur. C'était vraiment très dur. Hein. Un couteau. Ok. Bon, maintenant, on va rendre son couteau à lui. Ça. Merci, jeune fille. Pas de problème. Dur. Eh, hey, une petite minute. Les adultes du coin passent leur temps à nous chasser. Mais pas vous. Qu'est-ce que vous voulez? Chut, laisse-moi parler. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous remercier? J'essaye d'aider Kuali. C'est trop tard. Ils l'ont condamné à mort. On peut plus rien faire pour lui. Et le garde Shimali, il te déteste.
Shimeli vous poursuivrait si vous le provoquiez? Pourquoi? Parce que s'il n'est pas à son poste, je peux m'approcher de Quali. Ouais, ça me plaît. Oh, vous pouvez dire à Quali de nous retrouver dans la grotte. Il comprendra. Il pourra se cacher là-bas. Compris. C'est parti! Asto, Rémi, suivez-moi. Samine, tu nous protèges. Ensuite, on court vers la grotte. Bougez pas, mademoiselle. On vous ouvre la brèche. Shimeli, espèce de lâche! C'est pas les gosses. Tu finiras ta vie en esclave! Allez, viens goûter ma lame! Ouais, et goûte aussi des crottes de lama! Courez, courez! Tout ça, c'est ma faute. Je vous en prie, c'est juste des plantes. Je vous en supplie. Ton frère m'a dit que tu avais des ennuis. Mais vous êtes qui? Je suis venue pour t'aider. Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais simplement aider ma mère pour qu'elle puisse se soigner. Où sont les plantes? Donne-les-moi. Je vais soigner ta mère. Va. Tes amis t'attendent dans la grotte. Merci. Voilà les plantes. Je vais courir aussi vite que possible. Et donc, il a été condamné à mort. Sympa. Ça a l'air sympa de vivre chez eux, là. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. On ramasse tout ce qui traîne chez les gens. Tout va bien. Ok, on retourne là-bas. Tinguala que le tie poloco, más que el impotech, matubeita la vetich misbalo, mata la taqui. Alors, où c'est que c'est? Ah, toi t'as quelque chose à me dire? Tu connais pas Imo, jeune fille? Quel idiot! Il croit que les dieux l'ont puni. C'est juste un feignant. Ok. Choco quoi, Paul? Je l'aime! Alors. J'ai pourtant dit de partir. Quali est sauvé. Et j'ai les plantes pour votre femme. Vraiment? Et vous êtes venue la soigner ou réclamer la corne du roi? Voilà, ça va aller. Merci, jeune fille. Kabyle, sois un peu aimable. Donne-lui la corne. Tenez, mes respects au futur roi. Merci pour le coup de main. Merci. Bon, ceci est fait. Retourner à la cachette de Naruto. Ah, attendez, c'est quoi toutes ces quêtes là? Alors, on a la corne du roi, retourner à la cachette de Naruto, et là, objectif actuel. Ni. Corne du roi. Jouer avec la mort. Ok, bon, on va aller là-bas, puis on verra bien ce que ça donne. Et on est déjà à presque une demi-heure de vidéo. Eh ben dis donc, ça va tellement vite. Je sais que Pisco a pris mes dés. J'espère que vous les retrouverez. C'est une histoire de dés, lui, je me souviens plus ce qu'il faut faire. Je suis là. On n'est pas chez Onuratu. On est dans une grotte pas loin. Il y a un héron et une éclipse à l'entrée. Ok, j'arrive. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. C'est marrant. Comme par hasard. Teneur de mission découvert. Comment ça encore? Bas quoi que j'aille, c'est bizarre. C'est bizarre ce point de mission là, ça me paraît étrange. Celui qui est ici en tout cas.
Ah, si, c'est là. Ok. Bon. C'est pas tout... J'aurais voulu rendre le truc là-bas d'abord, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ah. On pourrait peut-être nous couvrir. Tu l'as ? C'était un piège. Ils ont pris la boîte et... Onuratu a été capturé. Ouais, on est au courant. On est en train de réfléchir à un plan. Elle se trouve dans la prison près du vieux temple. Akane y est allé. Mais ils l'ont eu aussi. On va attaquer le pont qui mène à la prison. C'est trop agressif. Et si je grimpais ici, je la libère et je donne le signal pour l'assaut. Ça peut le faire. Edsley est en train de fouiller le temple du quartier supérieur. Il va te trouver un chemin. Je vais aller lui parler. Les renforts seront là quand tu l'auras retrouvé. Parfait. Oh. Puissance et sécurité. Merci beaucoup. Ah, je vais pouvoir rentrer... Lara. Je vais la retrouver. De l'autre côté, là. Il y avait une porte qui était fermée, qui était gardée par des mecs comme ça, je pouvais pas y aller, je sais pas quoi. Yes! Eh ben écoutez, ah voilà, nouvelle aventure. Le faiseur d'âge. Merci d'avoir acheté les piliers. Nouvelle mission vous attend dans Paititi. Découvrez le mystère du pilier. Pour accéder à cette mission, le menu mission secondaire. Ok. D'accord, donc il y a des... Ah, c'est elle là, je suppose, du coup. C'est un DLC, ça, je crois. Elle parle pas, fantastique. Elle parle pas ou c'est juste buggé? Je crois que c'est juste buggé en fait. Fantastique. C'est buggé. Yes. Super cool. Alors il y a plein de quêtes ici mais j'ai pas envie de faire en fait. Si c'est buggé, c'est pas la peine. Le pilier. Le grand caïman. Ah ok, ça c'est tous les... Ça c'est toutes les quêtes annexes. Des DLC, je suppose, avec la petite icône à côté. On va finir ça déjà. Et puis on va aller faire la quête principale. Une boîte. Une masse d'armes. Masse d'armes à six pointes, moulée en cuivre et prolongée d'une lame de hache. Une arme redoutable. Ouais. Tu m'étonnes. Ok, donc là il y a une quête. Là il y a des quêtes. Il y a plein de quêtes de partout là. Mais en vrai, j'ai pas envie de faire les DLC pour le moment. On verra plus tard. On verra même si je les fais, c'est même pas sûr. Parce que le let's play est déjà très long. Ouais, c'est où qu'il faut que j'aille là-bas? Je comprends pas. Donneur de quête. Ah pareil, ça doit être pour un DLC. Ouais. Ok. Et ben on va aller là, on va faire la quête principale. Hein. J'ai pas envie de me prendre la tête pour le moment. Et de toute façon, je viens de voir que ça fait 35 minutes que je tourne, donc... Donc eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on se retrouvera pour la suite de cette aventure.
dans le prochain épisode. Allez, donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao.